On dit que vous pourriez être dans la prochaine saison de 10%, pour peu qu'il y en ait une, parce que c'est encore un peu incertain. S'il y en a une, pour être très franc, j'adorerais. Moi, j'ai même, quand j'ai vu la première saison, j'ai tellement trouvé ça intéressant, drôle et bien vu, que j'ai carrément envoyé une idée. Vous voyez, je cherche, je manque de travail. j'ai dit c'est ce que j'adorerais, parce que c'est France 2 en plus qui diffuse. J'aurais dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire, à l'époque, on tournait encore Fais pas ci, fais pas ça, c'est Guillaume de Tonquédec qui débarque chez son agent et qui lui dit, j'en ai marre justement de ce rôle de Renaud Lépic, trouve-moi un truc, un tueur en série, un truc un peu, tu vois. Ouais. Un peu, ouais. Voilà, qui change, qui casse mon image et tout, et que mon agent m'engueule en me disant, mais t'as vu avec la gueule que t'as, mais que personne n'y croirait, etc. Non, laisse tomber, etc. J'adorerais faire ça. Mais c'était déjà à l'époque, non, on avait commencé à un peu bosser dessus, et il n'est pas impossible, on avait parlé avec Dominique Bessner qui produit et qui a eu l'idée originale, et il n'est pas impossible que ça se fasse s'il y a d'autres saisons, je sais pas, j'adore, l'idée me plaît beaucoup, quoi. Voilà. Vous devriez en parler à Liliane Revers qui a joué avec Liliane vous. Liliane est dedans, elle est dans Roxane, ouais, qui est également dans 10%. Oui, absolument. Elle va jouer le trait d'union.